Personne ne fait l'unanimité. On peut être frère, on peut être voisin, avoir des idées différentes, avoir aussi des divergences, mais vivre ensemble l'un à côté de l'autre, vivre ensemble dans le même quartier et faire en sorte que ce quartier soit agréable à vivre. On peut être de unir et avoir un voisin ANC. Si notre maison brûle, je parie que quel qu'il soit, quelle que soit la personne à côté, elle volera à votre secours. Et c'est ce vivre ensemble que nous voulons dans notre pays. Parce que peu importe qui gagne, l'essentiel c'est que nous puissions préserver ce climat de paix. Parce que c'est lui qui nous permet de développer notre pays. C'est lui qui nous permet de construire nos routes. C'est lui qui permet de rénover nos pistes rurales. C'est ce climat de paix qui nous permet, qui nous permettra de progresser. Alors, plus que tout, même s'il n'avait pas envie de voter pour nous, faites tout pour préserver la paix. Ça, c'est notre richesse commune. Mais naturellement, si vous votez pour moi, c'est encore mieux. Parce que nous avons pris un élan. Nous avons pris un élan que nous ne pouvons pas nous permettre de briser. Nous avons pris un élan qui nous doit nous permettre au contraire d'accélérer les choses. Et accélérer les choses, c'est par exemple moderniser nos villes secondaires. Nous avons commencé à le faire à Lomé, peut-être un peu à Dapan aussi, mais je suis sûr que dans quelques années, notre belle ville de Sokodé aura également un nouveau visage.